Si on regarde le plaisir d'amener les téléspectateurs une autre fois encore, vous nous rejoignez sur AETTV, dans le magazine sportif ou choisi pour informer vous sur tout ça qui a rapport avec le sport en général. Non pas, c'est Stéphane Guillaume. Comme d'habitude dans Sportmag, moi à côté de l'homme à présent et fidèle pour nous porter pour une nouvelle émission journée. Donc, merci pour patience et fidélité. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je salue Woody et je salue M. Peguero Jean-Philippe. Et bonsoir Stéphane, bonsoir Peguero, bonsoir amis les téléspectateurs. C'est un plaisir aujourd'hui à tant que Jean-Stéphane Soudil pour nous retrouver dans notre fond encore côté que je dis à nous pour ton potori garçon pour men qui c'est un meilleur footballeur pour moi-même pays ça pas jamais qu'on aime mais il s'agit de Peguero Jean-Philippe que moi-même me dégage chance pour me jouer avec monsieur ça challenge moi en pile dans carrière footballistique moi alors pas de carrière pour me porter footballeur ça pour nous moi-même avec Stéphane Guillaume pour me faire lui-même personnellement parler de lui-même parler de technique. Qui est-ce qui est Peguero Jean-Philippe contre Peguero Jean-Philippe Soti? Avant de faire ça, qui nous salue, nous dit bonsoir Peguero, son plaisir que nous l'avons aujourd'hui. Amen. Bonsoir Odile Omera, et c'est un réel plaisir pour moi-même tout. Pour moi, ça m'a avec vous. Bonsoir Stéphane Guillaume. Yeah, et je me sens que je suis fier de ce que je suis là aujourd'hui. Et je connais que ça fait longtemps vraiment vrai que nous devons rencontrer, mais ouais, je dis que toute bagaille possible aujourd'hui, que je dis bon Dieu merci de ce que nous là. Et sans que je ne pas oublier, saluer Télé AETTV, Sportmag, tout le staff en général, je salue avec tout le monde qui a une chance pour regarder. Alors, et Peguero, et nous contents, son plaisir pour nous-mêmes, pour moi et Stéphane, nous l'avons aujourd'hui. Même temps que je viens de dire, nous battons en pile chaque jour après le Steph. Je dis, Steph, man, you gotta get this guy, man, you gotta call him. Et then Stéphane dit, man, Peguero a pas de problème, man, mais les monsieur, monsieur dit, il faut comprendre, il y a des activités, il y a une activité de Haïti pour venir ici, il y a une activité personnelle. Alors, Peguero, comme toujours fait ça, je vais toujours poser la première question. Pour le monde qui pas contre Peguero et Jean-Philippe, pour le monde qui compte des noms, pas contre personnage, je dis, regardez Peguero et Jean-Philippe sur Haïti TV à travers le monde, qui est-ce qui Peguero, coûte Peguero sorti pour le monde qui a regardé la journée, je dis, amen. Bon, et son belle question, pour me répondre, je vais dire que tout le monde connaît non Peguero et Jean-Philippe, là, c'est vrai. Mais quand il y a un monde qui pas connaît qui est-ce qui Peguero et Jean-Philippe, là. Et Jean-Philippe, là, c'est signature moi, Peguero en ses prénoms moi. OK. Ben nous sinon je d'elle. Pedro, on voit des aussi comme ça on connaît et puis JPP, JPP, Jean le passé. Tout le monde connaît tout le monde. Et bon bagage, c'est pas tout le monde vraiment qui connaît. Et bon, dans Sportmag obligé. M'a obligé dans Sportmag et moi même personnellement que des capable dit moi fait go naïve, même pas levé go naïve. Wow! On bat comme ça. Sportmag, même si ça Sportmag fait. Même moi, même tout, que moi pas déjà me connais. Parce que acte de naissance, moi pas levé en Haïti, c'est à l'étranger qu'il était fait. Ok. Et ça veut dire depuis que tu as grandi, tu es levé, c'est pas de paix. C'est dans acte de naissance, moi qui dit que c'est go naïve qu'il était fait. Wow! Mais jusqu'à maintenant, pour moi-même, je connais toujours été que. Son on prend des visières qui est moyen et m'a tout profiter saluer tout le monde pour les tout le monde naïf tout Haïti en général et puis pour me grandir pour des paix et puis moi t'es venu jeune avec famille moi bon ici à Fort Lauderdale et c'est là que toute famille moi vivent et bon je pense que formation que mon yo pas de connaître qui connaît que je pense que c'était l'air pour y'a te connaître. Tout à fait. Je pense que nous avons un pile bagage pour connaître Peguero. Tant que Peguero se dit, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je fais plus de 10 ans dans la section haïtienne de football avec Peguero. Je ne connais pas si Peguero effectivement fait Gonaïve, mais qui grandit pour le pays. Alors, ça, c'est des choses que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous commençons à découvrir quand un jeune garçon, un jeune talent pur, ça, qui c'est Peguero Jean-Philippe. Alors, deuxième question, ma petite Steph, adressez la Peguero parce que j'ai un pile question pour monsieur. Tant que j'aime dire, son monsieur challenge moi-même personnellement en ce qui a trait de jouer de ça, même dans la section haïtienne de football. Alors, Steph, ma petite pose Peguero. Deuxième question. On connaît exactement, c'est dans le domaine football là. Et est-ce que qui Jean Peguero a commencé même dans le domaine football là? Est-ce que c'est dans Vilgon alors? Vous faites Gonaïve, vous parlez de Gonaïve. Est-ce que c'est pas de paix? Est-ce que c'est pas de paix ou bien bon. Qui bon même a commencé dans le jeu de football là? Je m'en dis, on dit là, on content de dire c'est Dom qui tombe tel côté. Vous comprenez? So, on est capable de dire comme ça, c'est Dom qui est tombé Gonaïve. Mais tout à fait, c'était pas de paix. Moi, j'ai commencé à jouer football à l'âge de 6 ans. Wow. Et bon, je commençais très jeune et j'ai toujours un rêve dans la tête moi que pour me arriver grandir avec elle, pour me capable
vinn rive pour me supporter pays moi et bon Dieu était ben mon courage il était metté grand moi bon côté qui grand moi t'ai aidé ma pile parce que me sont monde qui lever caipé de qu'on boucher caipé pour n'importe deux mois côté a fait tout petit monde jouer football et bon bon c'est ça t'aidé me tout parce que me des jeune petit monde pour me jouer et avec rêve que me des gagnant il était bon mon vision côté que me des doit aller et me des capable de depuis à l'âge de 6 ans me des toujours habité m'a meilleur joueur dans tout championnat et me des rester sous les noms me des garder sa droite mais malgré tout me des toujours focus dans l'école moins que me bat jam de connait un jour oui et me des juste font choix dans la vie c'est ça qui est lié au font choix. Mais je commence à l'âge de 6 ans. Et pendant 6 ans, je joue en pile interscolaire. Et pour des pères, côté collège. Je joue toujours dans tout football. Et là, je viens ici. Je viens mon visite avec la famille. À quel âge que vous venez ici? Bon, je viens mon visite. Et là, je viens mon visite. Je suis de 18 ans. Et bien sûr. Ok, donc vous avez joué pour Pièce Club. Non, ville pour pays. Bon, je suis dans l'opération 2006, côté où j'ai joué le championnat régional. Je suis fini meilleur buteur dans le premier tour, je suis fini deuxième buteur dans le deuxième tour. Et là, j'ai fait troisième, c'était Port-au-Prince. Et côté, c'est pas de Port-au-Prince qui était champion. C'était Jean Rabel qui était champion. Il était Jean Rabel qui était champion. Je suis pris 11 joueurs, Jean Rabel, je suis pris 4 joueurs dans Port-au-Prince. Le seul Babou. Oh, il va capable prendre. Non, faut demander parce que nous sommes génération ça parce que moi-même j'ai fait partie de génération ça. Il y a près 4 monde là, il y a près 11 jambes, il y a près 4 monde après ça ça peut passer dans 4 monde ça au moins. Ça qui arrivé dans 4 monde, il prend dans 4 yo. Mais il y a pas bon jouer position que me pour me jouer. Il va mettre me jouer. Mais à cette époque dans là ça qui place où tu conduis avant ça tu toujours conduis. Avant ça, je me suis joué. Mais je me suis une équipe qui a pégé où tu as eu M. Kelly Chalala Junior qui était en pimpant. Je ne sais pas si tu et qui calibre de joueur pégé où tu es joué dans la ISA. Mais en ce qui a trait de jeune, ça a eu M. Kelly Chalala Junior. Est-ce que tu estimes ou même où tu es plus bon que Chalala Junior dans l'époque ça? Bon. Je ne sais pas si tu es plus bon. Tu ne peux pas parler là. Tu ne peux pas parler là. Je ne sais pas si tu es plus bon. Je toujours. Je n'ai jamais vanté d'être moins que plus fort qu'on l'a. Je me toujours quitter que c'est peuple qui ouais ça. Qui ouais ça. Parce que je finis meilleur joueur dans le premier tour, je finis meilleur joueur dans le deuxième. Ça me prouve que ça mieux. Exact. Mais pour qui ça ou même vous pensez que vous pas de bon ou jouer place parce qu'on dit comme ça ou pas de place où tu es supposé jouer à ça qui fait ça. Parce que c'est pas équipe moi qui est champion. Équipe qui est champion là avec coach lui. OK. Et on voulait jouer avec mon paio. OK. Mais malgré tout l'entrée arrivé Port-au-Prince, nous t'es venu jouer. Nous t'es un match pour nous jouer contre Port-au-Prince. Match n'est pas bon pour nous. Me dit que m'pas jouer demi. Puis me dit m'a prêté sous banc, y a pas besoin de jouer demi. Ça c'est dans deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps. Parce que moi équipe là en difficulté. Et puis coach l'a fait changement, il voulait me jouer attaquant. Match centré dans 2 minutes, m'ai t'a marqué un goal. Waouh. Laisse ça vous jouer ensemble avec Chalala Junior ou bien Chalala était devant tout. Et Chalala était devant tout après ça me vient jouer dans l'autre ballon. Me fin dribler mon ballon dans goal là et puis je tacle me font faute dans tête carrière et puis Chalala fait deuxième goal là. Nous bat DA so. Ouais. Et puis m'a dit on l'autre bagaille et attaquant c'est pas premier bail qui me fait dans football là. Don gardien avant. Tu te comme faire quand oui. Songe je mettre Gaba finir l'autre dehors pour moi. Gardien bon. Quand. Tout dit ça. Alors ça veut dire où t'es gardien et où t'es gardien comme vient finir l'autre là. Faut Gaba venir descendre il là. Mon père le laisse était pour de paix. Oui, notre table joue en finale. Gaba était dans quand obligé de venir retirer Gaba avant match fini pour le mettre. Ou des calculs de finale. Ça, c'est exact. Ça a bon fait. Ça a toujours fait, effectivement. Non, mais c'est pas Gaba fait de l'eau. Gaba, t'es que le baron qui compte qui finale. Il était Stéphane Guillaume. Gaba fait de l'eau. Oui. Qui ou pas, c'est Gaba fait de l'eau. Non, parce que je me connais ça fait. Mais bon, ça n'a pas fait à l'échelle internationale. Mais dans le championnat régional, dans le championnat vacances, quand il y a des joueurs de football, joueurs de champ, qui sont tellement contre qui finale, étaient parfois gardiens, qui ont excellentissime gardien, retiré le biométrique. Non, mais c'est pas Gaba. C'est pas Gaba.
Ah, vous avez dit vous avez des pégéo tes pibo qui gabes là. Non, vous avez tes gars vous mettre pégéo et pégéo. Oui, bon, quand pégéo. Alors pégéo de là de opération 2006, me connais que et puis vous t'ai fait tout expliquer ça mais il pas kimbo. Qu'est-ce que t'expliquer ça mais pas traiter dans promotion ça. Il pas prendre même. Oui, ça me dit, il va prendre. Il va jamais prendre. Et les mecs gardent jouer ça. Est-ce qu'on pense qu'ils sont heureux ou bien qu'est-ce qui passe pour même dans tête ou qui fait ou bel programme ça, un gros tonton footballeur comme ça, pas arrivé à passer dans le programme ça qui était pour le programme opération 2006 ça. Ça me capable de dire que Haïti toujours a souffri, a subi de un bagage. Monde qui mérite là, c'est pas les gens que je OK. Et je pense que les gens qui étaient là, c'est parce qu'ils étaient là dedans. Parce que si on fait des choses, on fait des choses tout bon, on fait des choses pour le pays, on ne peut pas choisir, c'est les gens pas qui pour la donne. Et je pense que dans le temps, c'est pour les gens pas qui étaient. Parce que non seulement ils ne peuvent pas prendre dans la sélection, ils sont obligés de faire un match contre Port de Paix après qu'ils fassent la sélection. Parce que nous avons tellement de bonnes équipes qui étaient. Tout le monde a appelé l'équipe Port de Paix, son belle équipe. Dans l'équipe, dans le match que tu fais, tu as joué un match amical avec Port de Paix, tu as joué un match de 5 à 1. 5 à 1, c'est moi qui t'ai marqué le goal pour Port de Paix. Et le goal que tu as marqué, il y a 5 fois valable. C'est ce que tu as fait. Si tu as. Non, dans un moment, si tu as cherché un attaquant, si c'est ça que tu as cherché, oui, depuis l'âge 16 ans, 15 ans, et 15 ans de gagner, ça me suppose que tu es dans la sélection. Tu es dans la sélection. Après quoi? Ou pas de chance que tu es dans l'opération 2006? Ou vient de voyager? Est-ce que vous venez commencer à jouer dans un club en Haïti ou bien vous venez voyager après ça ou bien vous jouer dans un autre club et bah, on est dans l'autre pays? Bon, je suis dans l'opération 2006, je suis dans le ranch. Dès qu'on a regardé la sélection, dès qu'on a entraîné, je suis capable de me défier en pile. On va regarder les gars, on va regarder Montilas, on va regarder les gars, on va prendre les gars qui marchent, je me dis, qu'est-ce que je vais faire là quand même. Parce que ça a bon moi, ça a bon mon envie, on va regarder les gens qui ont été entraînés pour être capable d'aider le pays. Ça a vraiment bon, toute motivation pour me faire droit dans le football. Là. Et bon, je me suis tourné vraiment, je n'ai pas de problème. Je suis un club qui a été les flèches noires. Je me suis joué là-dedans, vraiment, quand je suis petit. Je n'ai pas de jambes jouer tout. Entraînement, malgré que je fais 6 goals chaque entraînement. Mais quand je suis match arrivé, je me suis dit, c'est trop petit. Et puis, je me dis non, mais il faut me jouer. Et puis, je me suis dit non, bon, pourquoi on est laissé nous-mêmes. Nous pas le frappeur, mais notre messieurs. Ils ont toujours fait le mieux. Notre messieurs, on n'est pas le frappeur. Ils me disent que pas de problème, c'est moi qui ai frappé, c'est pas nous-mêmes. On a envie de jouer. On a chaud. Et puis, nous avons attendu, c'est Noël Bertoni. C'est un bon 10 qui t'a joué dans le championnat. Qui t'a le S et tout. Et bon, je me dit, bon, messieurs. Donc, nous ne pouvons pas attaquer ces jeunes. Il n'y a pas de chance. Et puis, vraiment, dans la semi-finale, monsieur, vous mettez, quoi, vous tapez maintenant, vous avez fait soit 1-0 sur l'équipe, là, vous avez fait 10 minutes comme ça. Et puis, vous avez joué. Dans 10 minutes, là, c'est moi. Et moi-même qui. Qui fait match. Et moi qui man of the match, parce que. Et moi qui baille victoire pour nous battre match là derrière. Après ça, tout le monde content. Les nous pour aller. De tout côté, tout pas de peine. Pedro, c'est Pedro Yorelo. Pedro. Et Pedro, Fomzo, et moi-même, c'est un monde dans le show radio que je et côté que je fais un show là pour sport, c'est un monde qui gomme en pile, qui parle de roue en pile, qui parle de passage. Pour moi-même, je dis ça, c'est un pigou avant de moi-même, je vais payer ça pour du pays, ça baille. Et je me sens. Tant que moun la kay ou mba konnen ki ou peut-être pa gen tan jwe an pile pour pay mwen si moun pote pay manke bay PGO Jean-Philippe Valeur mba di haïtien général non par exemple moun pote pay même est-ce que moun pote pay manke konn PGO parce que c'est eux une fierté pour moi jodi a pour moun ka wè personnage m'a parlé alors moun nan radio m'a parlé et me senti manke bon et valeur men pour bagay mwa fè nan jwe de ça men bon pour moi pour nous et je suis capable de dire
pas dit que mon porte pe pas bonne valeur. Yo toujours supporter moi. Et pas rien qu'a fait que mon porte pe pas supporter moi. OK. Et yo gonbaye que yo t'a pral faire pour moi. C'est gouvernement pas t'accepter. C'est mon porte pe qui t'a fait yo t'a pral faire statut moi pour yo mettre porte pe. Wow. Ça plus que on support. Exactement. Mais ça sont gros bagages, ça sont gros bagages. Bagages yo pas supporter mais comme on connaît que yo même yo mon pas des pays yo t'es plus habitué à non pédro hein. Parce que pour bien dire c'est l'embral descendre certificat moi connais moi les pays yo. Ça c'est ça pédro. OK, on ça pédro. Parce que acte de naissance moi c'est l'autre bol de fait. So c'est l'embral descendre certificat et puis vous voyez chercher acte de naissance moi ici et puis l'aime garder dans non parce que me t'ai entendu mon yo c'est Pedro et puis l'aime garder acte de naissance moi c'était Pedro et Pedro ouais j'ai fini mais si acte de naissance vous faites l'autre bord Pedro c'est depuis qu'il est rentré ici aux États-Unis ou bien dans qui pays exactement non il faut là dedans OK so depuis qu'il est arrivé là dedans avant que retourne à Haïti ou bien bon venu très jeune tant que des un cousin qui te gagne 10 ans, te gagne 9 ans dans ça. Oh, OK. Mais simplement te gagne des plus voulait vivre bon côté grand moi parce que c'est lui qui te compte supporter pour m'a jouer football. OK. Et pas de l'autre monde qui te compte supporter moi. C'est bâton de contre. même pas quand même te que m'a pas de faire ça. Ouais. Et faut me dire que football là son bail me te remet depuis les petits, son bail qui était ensemble, si me sous cabane moi faut me gon boule botte tête moi. Depuis me lever c'est boule là me premier garder le premier dit bonjour et me dégon monde qui t'ai remet ça dans moi et qui t'a fallo tout côté qui me d'aller aller dans tout match moi c'était grand moi qui wow. Était là et bon des capable dire qu'on y a grand monde bon parce qu'il gagne 80 bon depuis là de 100 ans bon depuis là wow. Son bénédiction son bénédiction lié alors et faut dire tes spectateurs n'a pas là un grand monsieur qui riche et en ce qui a trait de carrière qui font paquet de bagaille de opération de monsieur sur ma propre Pegueo Pegueo tape pour flèche noire et puis après ça Pegueo vient traverser ici côté Pegueo pral commencer rejouer football on dit football dans bon niveau dans bon niveau là. Et qui pral ba Pegueo Jean-Philippe en retour et bon retour qui pral faire Pegueo Jean-Philippe rejoindre sélection nationale de Haïti ou pas faire rien sans pas faire rien Haïti et tout à force ici le fait et qui Jean Pegueo pral fait percer ici aux États-Unis d'Amérique. Bon, c'est une très belle question vous dit et je pense tout le monde t'a répondre ça tout. Et bon. Nous avons une équipe qui ici que m'a tout salé et Gino Breto qui était fondé une équipe ici que le Port de Paix. Et on est on a joué madame Goubou. Mal de tout ça. Et puis côté que ça pral commencer c'est parce que nous avons un match ensemble avec une équipe brésilienne. Et puis dans un match amical et puis les nous arrivé pendant que nous arrivé sous terrain et puis n'a font petit passe et puis pendant Tismac qui se chante sur la musique qu'on a et puis il fait un passe là et puis me voler me descendre boule là coach qui t'a entraîné brésilien équipe brésilienne match en pas jouer il dit vient sous moi il m'a demandé nom et puis me balle nom moi et puis il dit est-ce que j'ai toute pièce by ça parce qu'il voulait mener mon Brésil. Wow, bon quand même jouer match là. On ballon débloqué devant Zelma. Et coach ça relé Luis et Luis Fernando qui ça même il champion 7 fois au Brésil, son monde qui non au Brésil. Exactement. Et puis il prend le mener mon Brésil vrai après un mois. Il quitte l'équipe brésilienne d'avant entraîner pour venir entraîner pour des pères. Il prend un grand brésilien qui bon dans l'équipe brésilienne. Il mène au port de paix. Ça fait notre équipe qui port de paix qui est mélangé avec le brésilien. So, et puis de là, les mouilles jouent au Brésil. C'était moi et moi avec Tismac qui est allé. Je joue, on a fait 8 matchs, je fais 6 goals, je fais 4 à 6. Mais nous sommes allés dans la fin de la saison. La saison. L'équipe plantée voulait pour nous mettre pour plus de temps. Et coach là n'entend c'est un agent qu'il était de signer un contrat avec lui que pour simplement pour voyage là seulement OK et puis pendant que mon Brésil et puis
coachan dit ah il pas croire que comme si rete hein parce que pour nous rete pour plus temps il pas croire là pour avantage non exactement dit. Et puis depuis au Brésil me t'ai en fait penser à me dit m'a tourner Haïti m'a pas vrai tourner faute la Edal pour me venir yes. Une jeu de vacances c'est ça parce que me dit si me ca arriver là ou tête en ballon qui me bloqué et m'konn a l'en match faute la Edal m'a gardé équipe MLS au cap jouer me dit comment faire Rudy pas là comment faire Stéphane pas là comment faire me pas là parce que m'a gardé monsieur pas gagner pas gagner en plus exactement comprendre moi et puis l'aime depuis Brésil me dit l'autre partenaire qui était avec moi dans Minnesota qui c'était non gardé c'était Smart me dit c'est Haïti m'a descendre alors et Pegueo c'est Rescozia nous voilà petit pause nous grand pile bagarre Pegueo pour le dire nous de Brésil il va rentrer en Haïti vidéo Haïti qui va faire Pegueo toute sa ligne aujourd'hui alors là petit pause après la pause nous va continuer parler avec Pegueo Jean-Philippe n'a pas tenir tout à l'heure. My name is Jean-Marc Alexander, and I play for the Haitian national soccer team, and I'm also the captain for Fort Lauderdale Strikers. When I'm in Florida, one of my favorite shows to watch is Sport Mag on IETTV. Follow us. Amis Sport Mag, bonjour sur IETTV, nous vous remercions pour votre patience. Jean, nous avons commencé avant pause dans. Nous allons voir avec Pegueo qui pourra dire nous exactement comment, après Brésil, il est entré à Haïti, qui équipe qu'il va jouer pour lui et comment carrière va le décor from there. Bon, pour continuer avec la réponse là, entrer à Haïti, moi pas vraiment bon équipe, vraiment vrai. J'ai juste après jouer pour n'importe équipe. J'ai eu un gabalé ça qui était dans Racine. Je me parle ensemble avec Gaba, je me dis, ah, mais ça me décide de faire. Et puis, je parle avec mon aussi. Mais, il n'y a pas vraiment décidé de ça. Et le président Don Bosco a tout entendu parler de moi. Il n'a pas même pris des jours pour le dégager entre les États-Unis. Là, même, il est entre les États-Unis. Et puis, je descends dans Don Bosco. Et puis, depuis là, et puis, nous jouons, mais jouons champion. Et puis, tout va être fait de là. Et puis, mettez me faire à partir de sélection. Sélection moins de 23 ans ou bien sélection majeure? Sélection moins de 23 ans. Côté nous avons pour nous qualifier pour Jeux Olympiques, ça va arriver parce que nous avons perdu le dernier match là. Et puis sélection, je me rappelle le dernier match, ça semble dessous là. Le ça moi m'avoir pigé comme avant ça semble dessous là font gros goal. Et dans match ça oh est-ce qu'il va le baiser nous match changer? Bon, pas ça. Ah bon, va changer qui moi. Parce que Horace font trip. Pour contre le Horace, on prend tout le monde Horace, on passe devant quand Horace marque chou dans le casse gardien et puis Horace ou les ballons tout petit, il va bailler gol là. Oui, bon. Laisse ça me faire deux goals. Vous faites deux goals dans match là. Mais ça qui est important dans match là, c'est changement que coach là t'a fait sur moi hein. Parce que changement, même garde ça pas de bon. Du tout. Parce que on pas prêt un attaquant pour mettre un autre attaquant pendant que côté qui me gagne trois monde sur moi. Et là ça a pegé et faut timent sur ici au fin bas ça pile misère dans match ça vous rappelez les Vincent Pedro nous pas juste son côté créer les CIBA yo fin descendre dans capitale avec Tegucigalpa yo fin prend et un petit bus Stéphane Guillaume ça va là on se va te battre les Stéphane d'opérer yo fin pour petit bus 4 de temps pour nous monter juste son côté créer les CIBA pour nous jouer juste pour nous craser pour être capable gagner match ça et sont là on l'a mis alors et de là et de où fait section moins de 23 ans. Et pour moi, c'est un meilleur joueur sélection, ça va être jamais. Là, je vais jouer un peu de temps, je vais en Argentine, mais là, je vais jouer un petit peu de temps, je vais jouer un peu de temps. J'ai oublié ça, Peter Chemin dit ça, papa, on a créé les Pedro, papa, je me dis Pedro, je me dis, oh, Peter, bon, là, Pedro, je me dis, vous êtes en train de me dire, ok, papa, on a créé les Pedro, mais je vais garder les Pedro, ça, monsieur, me dit, ah, monsieur, je vais jouer au football, vrai, monsieur, là, ça m'a santé, mon Argentine, comme bon, Pedro, je vais jouer en Haïti, monsieur, bon problème. Bon moi team dit Pegueo bon problème on excellentissime avancante et là on va le Pegueo mais Pegueo kounya après moins de 23 ans nous pas qualifié nous éliminé qui ça peut gagner après et pour Pegueo bon on est après c'est grosse sélection qui vient après et puis yo fait appel avant la grosse sélection yo fait appel avec la grosse sélection et puis dès là que nous te gon match que on t'a joué contre les États-Unis et un match qui était fini 1-1. Techniquement, 2-1 parce que Bruno Pierre-Richard font goal tête à retirer. Retirer, on a fait un match.
Et puis, c'est après match ça tout, côté, c'est gen, Marcelo Balboa qui était contre travail dans le Colorado. Colorado rapide. Et puis, qui était venu parler avec moi dans le match ça après, qui était dit que, est-ce que, comment, qui ça me pensait pour me joindre dans MLS là, pour me jouer ensemble avec eux. Je dis que c'est un plaisir pour moi parce que m'a goûté depuis longtemps pour moi. Pour ça. Et me dis c'est là m'a vivre tout dans les États-Unis. Je dis bon, ça, c'était rêve moi, ça, n'importe là que porte là ouvrir, moi-même là. Et vraiment d'aller dans le try-out. Et dans le jour où je suis dans le try-out, je ne sais même si je fais fouette, Colorado, je ne vais pas faire rien. Mal avec petit bout de pantalon, petit bas. Petit pantalon soudé, ça, c'est bon. Parce que les gars, qui boit des pile, ça. Ça crie, c'est les lever les matins, on est fait fret, petit pied, tout blanche. Chaque matin, je marche avec une petite bouteille d'eau. Non, on va passer dans le bio. Mais, je suis côté de aller, je suis allé chercher. Freddy a fait un peu. Freddy a fait un peu. Dans le premier jour d'entraînement, et je suis toujours un poster ça là, je te fais le moins. Devant, son choix est venu. C'est la possibilité ça me gagne. Je vais penser de l'autre et encore, c'est pour me mettre team là. Et dans l'entraînement, tu vois, l'entraînement pour être même fini, à peine nous avons gagné une dedans, le coach de campagne, l'entraînement, il dit qu'il faut le mettre en l'air avec moi. Il va traiter même fin d'entraîner, puis il vient dans l'office, il met des contrats devant. Wow! Je dis non, je ne pas si je dis faut me chercher un agent avant. Et puis je cherche un agent. Et je prends. C'est une raison que quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de chance. Mais chance dans le début, quand tu arrives dans l'équipe, c'est pour faire ça. C'est pour tout ça. Et c'est ça que je fais. Et puis je commence là, de Colorado. Et je dis que besoin de faire un homme. Et je prends n'importe ça au film. Et puis de Colorado, je viens mener. Et Boussico qui était Alexandre Boussico. Alexandre Boussico qui était Chicago. Dans les sacs pas de et puis me faire ou prendre dans Colorado. Stéphane Guillaume de Lado. Et puis tu as un bon problème, Fabrice Noël, tu oublié Fabrice. Oui, Fabrice. Fabrice Noël de Lado. A un paquet de chicken sans les pailles. Mais n'est-ce qu'il m'a mangé tout. Vous avez dit, nous t'avons fait si manger de nous, ça, c'est oui, fan. Oui, c'est nous-mêmes. Oui, et puis, qu'on y a même, t'es fini parler ensemble avec l'entraîneur. Et parce que m'a dit la veille, que pour y avoir pris un grenadier, ou un mettre bon côté pour jouer. Et puis, les bousses côté levé, pas de voie, pour papier pour te retourner, venir jouer. Nous avons l'autre joueur qui m'a mené, c'était Giorgini Oba. Dans l'ESA qui était en pleine forme. Et puis vice-président a dit mon bagage qui m'a pas content. Il dit le temps de me venir avec un joueur. Il dit le bon pile. Et puis c'est même l'ESA qui a regardé Giorgini qui a fait un mouvement, qui était boss en tant que fond shoot qui frappait dans le poteau. Ping! Et puis il tourne et il dit ah, joueur à bon, tout bon. Et puis il dit mais on connaît. Nous avons trois Caribbean players dans le team. Donc, ça veut dire qu'il y a trois players. Et puis, il n'y a pas de monsieur. Même si on prend cinq joueurs qui viennent de monsieur la main, ils disent que c'est monsieur qui était supposé. Ça a été fait de l'autre côté. Et puis, je me suis dit que le coach m'a prêté dans Colorado. Parce que je mets tel bagage. Et puis, je me dis que je vais aller dans l'autre équipe. Et toute équipe qui voulait aller, je voulais avoir deux joueurs. Il a demandé deux joueurs pour moi parce qu'on est dans l'MLS et trade. Et trade, Il a demandé, coach a demandé trois joueurs. Quand l'autre équipe a dit c'est deux joueurs, elle était offre deux joueurs. Mais nous, il a créé pour mais Pégéo, avant de courir, je me suis posé une petite question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire tout le succès dans Colorado? Parce que je regarde dans Colorado, c'est ton gros ton joueur, il faut pas qu'il y ait de gros bagailles, ou vini, ou bon numéro 10. Tout le bagaille, ça, gros bagaille, il faut pas qu'il y ait. Qu'est-ce qu'il faut faire tout le succès dans Colorado? Mais avant de traverser de transfert de Colorado avec l'autre équipe. Bon, ça qui est dans l'idée, moi-même, rêve, moi. Et gagner côté arrivé c'est pas tout haïtien qui joue une chance là. On dépend comme si c'est moi-même comme haïtien qui joue une chance là. Malgré que tout le temps Stéphane t'a fait là, on va jamais pas Stéphane papier pour te ouel vraiment vrai. Pour l'autre haïtien t'a gagner plus ouverture. Et me dit c'est
c'est moi qui pour performer pour ouvrir porte pour le United pour ouvrir porte dans le reste joueur qui venir et m'étais toujours m'étais discipliné en pile et j'ai me signé contrat maintenant me signé contrat maintenant yo si que me pas bon demain si Dieu veut me pas jouer pour yo te yo ca la game n'importe là wow. C'est comme ça me signé parce que me connais qui qualité joueur que mieux ou pas mai pour signer contrat ça mai pour me signé et me rivo capable ouais yo te bon numéro 10 yo te gen Valderrama te jouer comme 10 qui était là avant et yo ka garder dans statistique et équipe là qui me fait plus que ça Valderrama te kon fait mais simplement yo pas parler de ça en pile parce que yo te voulait pour me jouer pour États-Unis même te décidé pour me jouer pour pays yo capable yo pas parler trop de pegue ou na MLS ça capable et cette situation ça situation qui était posée ça après la pegue de Colorado et puis qu'on y a pas voulu rester à cause du bac pour ces sens c'est problème racial et puis de Colorado qu'on y a de prochain l'autre pegue ou et de prochain l'autre pegue ou tête chargée dans l'équipe New York Red Bull là et là pegue ou parce que yo pral pral kon pegue ou à niveau international qui ça pral ba pegue ou qu'on y a plus motivation là vivant dans New York men. Bon, ça qui vendait dans New York, ou quand l'on a besoin de retour, senti la caillou, senti toute femme ou entouré, c'est comme ça le devenir pour moi New York, parce que nous avons des haïtiens qui vivent New York. Et puis, je ne devine pas de sentir mal à l'aise dans Colorado, des gens qui ont une situation en dehors, sauf qu'ils ne sont pas contents. Mais les mouvés de New York, c'est avec un pile qui est content. Et le coach lui-même qui était pour moi, son coach, il remet mon équipe moi. Malgré que j'ai fait ça, j'ai fait Colorado, mais depuis que j'ai arrêté New York, coach dit ça c'est l'équipe pour faire sauver la donne. Wow. So, ça te fin... Il dit non sens, c'est pas comme si j'ai fait des ordres, non? Yeah. Mais il ben, veut dire qu'on est qui jouait mieux. Comme si franchise l'a reposé sous d'eau. Il faut sentir welcome. Yeah. Comprendre que veut dire ça, ça aide d'autres, étant qu'on jouait pour souterrain. Et puis de New York, j'ai fait des 8 matchs, j'ai fait 6 goals. Et de en fait chanter pour moi. Comment expérience ou faire contre l'équipe Bayern non? Parce que son match, je pense jusqu'à présent qui toujours été incarné dans l'esprit. Le match qui m'a cher pour lui, mais il a gagné New York Red Bull contre Bayern. Yeah. Bon, match ça, c'est un match inoubliable. Yeah. Parce que l'emdan de nous jouer contre Bayern Munich, pour l'équipe qui était sous champion, je suis vraiment excité. Je ne vais pas attendre pour le match là, mais tout ça qui est dans la tête, je dis, je pense de l'autre jeune qui a été avec l'autre joueur qui n'a pas joué de chance là, qui doit prouver dans le match ça pour me montrer que nous même ici nous avons talent. Nous avons talent, nous avons joué boule. Et son bail, bon Dieu fait nos cadeaux. Nous n'avons pas joué l'argent pour nous créer et pour nous faire académie, pour nous mettre nous, pour nous apprendre à jouer au football. Son bail nous fait avec. Naturel. Et les matchs là, nous avons joué, nous avons fait 2 goals dans le match là. Bon. Je suis satisfait en pile de dire bon Dieu merci. Et je suis bay plus fort dans l'équipe Bayern. Je suis en train de faire un monsieur souterrain. Je suis en train de faire un monsieur souterrain. Parce que j'aime dessiner un tout contrat dans MLS. Depuis que vous faites ça, il faut remonter dans l'air. Et puis, depuis que je fais tout le match, et puis match et Bayern Munich, j'aime demander un autre contrat. Je dis qu'il faut retourner. Et puis, il y a une autre équipe qui était derrière. Et Bon Billy, même c'est lui-même qui t'a offert plus l'argent. Ça veut dire Bon Billy, son équipe qui est dans le Danemark. Dans le pays Danemark, qui est l'équipe première division. C'est la plus grande équipe qui gagne Danemark. Et puis, avant, c'est fort que moi, je suis jusqu'à présent, je suis fierté. Je travaille dans l'aéroport de Fort Lauderdale. Chaque homme qui est de Kosovo qui est sorti du Danemark, je dis nous connaissons l'équipe qui est de Bon Billy. Oh, Bon Billy, yeah, Bon Billy. Oh, you know about Bon Billy. I said, there's a Haitian player there. He says, oh, Pegueo? I said, yeah. You know him? I say, yeah, he's my friend. People still recognize you in Denmark. So somebody qui toujours me fierté, quel que soit Danois, quel que soit monde qui vit Danemark ou au monde, est-ce que comme mon but, et vous dire, c'est comme Pedro ou Pedro Janvier, puis dire yes, they know you. On met continue. Bon, au bon, les mouvés de Denmark depuis notre port là, tout le monde qui est à connaître qui est ce moyen, parce que son bagage équipe l'a fait.
et les joueurs ont fini, qui ont été vendus, si tous ces joueurs qui ont même satisfait de lui, et qui ont été en wet qui s'ajoute à capoter pour l'équipe là. Et je suis capable de dire tout fans, c'est moi qui suis favori, et tant que player, c'est ça qui fait que tu es numéro 19. C'est ça que je voulais dire dans l'équipe Denmark. Denmark là, okay. Numéro 19 là, c'est favori et fans. Et bon, je suis capable de dire une belle expérience d'été pour moi, pour me jouer dans une plus grosse équipe Denmark. Et puis je suis capable de dire en Europe tout, parce que son équipe qui bat Bayern Munich dans la Champions League, qui joue à Barcelone, qui fait des ADD à Barcelone, et son gros équipe. Et bon, tout ça crivé, je suis capable de dire, bon, c'est grâce avec bon Dieu. Absolument. Et puis avec, je suis capable de dire nous-mêmes tout, étant que team est moins, qui était qu'on encourage moins, et qui était bon plus et courage pour me capable d'avancer. Alors, des bons de BPGO. Donc on est retourné retourner dans MLS là et comment ça t'est fini pour Bondi qui faut te venir retourner dans MLS là. Bon on est après moi quand même gain deux mois dans l'équipe là. Dès que t'en frappé et dans genou moi côté tout bail net allé. Et dans l'aime t'est venir tourner dans MLS là c'est on l'on était c'est prêté au t'est prêté ma San Jose Earthquakes. Yo t'est prêté moi et bon c'était on l'on pour 3 mois. Et l'aime t'arrivé dans Saint-Nosé, ça pas même marché même parce que après 5 matchs, m'étais en blessé encore. Waouh. Et ça t'est resté là et m'étais juste tourné Danemark. Après l'aime arrivé Danemark, me dit bon, comme dans moment ça me dit la mère moi qui était malade, qui t'a vivre dans moment et puis me dit bon, m'a tourné Floride, m'étais qu'à vivre bon côté. Ben et puis on connaît que vous faites et passage tant que j'ai mon y a regardé là y a tendu là et qui riche men en gros bagarre vous faites pour football haïtien pour même personnellement mais qui ou une bagarre qui marqué ou qui match et qui ça pegue vous fait dans carrière qui marqué pegue ou du moins qui petit ou bien là pas long mon ka dit mon cher mais tel bagarre qui marqué la vie footballistique quoi. Bon et dès capable dire c'est fait qu'on est que nous même haïtiens nous gain talent la caille nous et parce que quand on doit pas attendre ça à Haïti mais on arrive Danemark tout pour nous respecter ça et on pense que et grand pile haïtien calé l'autre bois tout yo capable dire comment yo accueillir l'autre bois et on pense ça l'important parce que l'oual font expérience dans l'autre pays qui beau de capable dire plus love que ou jeune à caillou. C'est ça qui fait que mon Denmark toujours été number one fans moi parce que yo toujours supporté moi, yo toujours écrit pour yo connaître comment mieux bon, de capable dire ça c'est une bagay qui marqué bon qui marqué carrière football moi parce que ça a toujours été et pour voyer pays en pire c'est tout devant l'Italie. Alors pour même c'est ça c'est passage de Danemark qui puis goal devant l'Italie, c'est ça qui marque carrière footballistique. Bon, on rencontre nouveau monde. Parce que on rencontre tout différents monde avec différentes personnalités et gen mon noté pas ou pas penser que qui te gen parce que on sorti dans l'autre pays ou pas connait comment yo garder nous. Et qui bon nous en pile respect que nous pas connait pas penser tout ça autour. Grand pile bagage ou pas vraiment ka di yon spécialement mais on pensait que ça aussi yon na yo. C'est vrai, OK. Ouais, c'est ça, c'est nous même sortement c'est ça n'a fait parce que on connaît parfois c'est les moun nan mouri nous a parler de lui même. Nous venir pour nous connaît grand pegé Jean-Philippe qui là pour que ça qu'on pas mener dans show pour parler de tête li pour nous parler pour nous chita parler ensemble. Donc pegé kounya là, est-ce que pegé a joué football toujours et puis qui ça pegé ou qu'elle fait après le fin de football qui objectif là? Bon, c'est une belle question, Stéphane. Et actuellement là, Pegue au pas jouer football. Actuellement, je définis des équipes Real du Cap la montée en première division. Et c'était plan moi ensemble avec le président équipe Real là. M'a pour saluer tout joueur Real, le dirigeant yo, sans pas oublier Don Bosco. Et mais plan moi qu'on y a c'est moi dans process pour me prendre coach moi. Même Jean Aveo. Parce que ça m'intéresse là-dedans parce que gomba m'bat fait dans football là
parce que j'ai un rêve moi pour me meilleur joueur du monde que ça pas arrivé fait même dans mes meilleurs joueurs et meilleur coach du monde. Pegueo, pour jeune cap garder aujourd'hui jodi à là pour moi même ou c'est un joueur comme toujours dit qui gagne une carrière qui riche m'a quoi gagne 2-3 joueurs ici qui gagne carrière gagne dans football haïtien. Second message envoyé pour jeune qui aime football qui t'a aimé venir Pegueo Jean-Philippe qui s'est tapé même. Bon, on dit question ça est tellement belle, bah comment même on va apprendre de le et bon pour bien dire de capable dire faut de travailler pas facile. Mm-hmm. Et on a toujours une difficulté là-dedans et simplement ça qui me capable dire c'est le comment son bail que de vous connaître que ça va faire courir dans tête ou vous pensez qu'on arriver ou être focus et ou toujours continuer faire ça va faire parce que moi même de commencer à jouer football chaque jour maman me t'ai contre battre moi et me pas de grand monde qui t'ai contre n'a poussé vraiment vrai pour me jouer football là même de quoi dans tête moi que m'étais capable briver un jour même de kembé ça avec en pile discipline ça pas de dire pour me laguer l'école moi parce que grand pile ba ou ka apprendre dans l'école qui ka eto dans football grand pile jeune moi qu'on y a qui pas avlé et kembé l'une éducation hein. Mais c'est premier bagage qui est lié et me penser tout que tout autant que ou quoi dans tête ou et puis ou coûter monde qui bon côté parce que moi même suis capable boire ça dans moi n'importe joueur dans sélection qui a dit me faire ça fait ça et me pas jamais pas chercher avec personne parce que me là pour m'apprendre et sous connaît ou déjà connaît plus ou pas d'adoué là peut-être autant coach ou dans l'air même coach là même il besoin apprendre et me penser pour apprendre faut donc écouter. Et puis il faut que nous-mêmes tout nous baï tout ça nous cabaille pour nous rester focus et puis je pense que c'est ça lié pour aller vers l'avant. Yeah, bon, c'est ça alors, je pense que Pegueo et fanatique de enjoy Pegueo et ses objectifs là, ses idées, alors on capable voir qui vision moi avec Stéphane Guillaume gagne, qui vision et dirigeant Haiti TV gagne, qui côté nous voulons arriver avec le sport haïtien avec et athlète nous qui font paquet de gros bagaille que nous même pas jamais chez connait moi même pas connait. Et toute bagaille ça de Pegueo Jean-Philippe. Alors maintenant des bons supporter mouvement ça, supporter programme ça moi avec Stéphane Guillaume Gayen pour nous promouvoir le joueur haïtien pour nous mener là pour nous faire parler de tête yo de qui est sûr et qui ça fait parce que nous avons tendance toujours à prétendre c'est le footballeur à mourir, c'est le monde à mourir pour nous parler de lui. Alors vraiment Stéphane Guillaume nous dit que nous pas accepter ça, nek ça fait trop bagaille pour le pays, nek ça gomet trop pour Haïti pour nous pas connaître qui ça ou vous qui ça ou fait. Alors attendez tout passage Pegueo Jean-Philippe là beaucoup j'aime dans le monde dans pays ça, j'aime parler de garçon ça. Alors Stéphane Guillaume gouman pile pour mener monsieur là. Alors, qui te m'a Stéphane crédit ya, et pas crédit pas non Stéphane qui goumé chaque jour même dans le téléphone à Stéphane dit Stéphane ou joigne monsieur ou joigne ni alors je dis à l'église joigne ni alors Stéphane m'a quitté au fermé je dis amen I'm so proud of you because vous m'avez des gros garçons ça m'a publié que je dis amen. Moi je suis en pile bataille c'est vrai en pile texte en pile appel mais ça qui est plus important c'est que Lila, nous avons monsieur avec nous je dis hein. Donc merci tout le monde et que semaine prochaine pour l'autre émission encore qui va bien mauvais qui va bien mauvais similaire alors vous avez tant pris et supporter idée ça supporter parce que nous besoin aide sans aide nous pas arriver côté nous besoin rivière remet ça qu'a fait là bye bye tout le monde yeah, amen. Ça m'a vraiment dit m'a dit nous messieurs un grand merci ah pour la c'est vous-même c'est vous-même m'a dit nous et pour Sport Mag là et son bel show que moi mes show même mon frère Pam et m'a pas aller dans le choix qui m'a pas salué c'est Patrick Janvier ouais, ça c'est frère Pam et Patrick m'a dit one love thank you guys vous like oh vous like